protection éternelle. C'était l'exigence de Dieu. Nous sommes dans une étape finale qui s'appelle l'achèvement. Et il y a des choses qui sont liées à l'achèvement. Si quelqu'un le rate, c'est fini, il est fauché. J'aime que cela vous pénètre. Il y a des choses qui vont avec le temps de l'achèvement. Même au point de vue ministère. Quand je vous dis qu'il y a deux ministères qui sont en rapport avec le plan du salut. Il y a le ministère prophétique avec William Marion Branham. Et il y a le ministère d'enseignement avec Ewald Frank. Grâce à ces deux ministères, l'Église est hors de toute confusion. Ceux qui n'ont pas eu la grâce de saisir la portée exacte de ces deux ministères, même s'ils cheminent avec nous, ils finiront dans la fausse doctrine. Parce qu'ils ont raté la chose qui est en relation avec notre temps. C'est pourquoi dans notre foi, on n'a pas honte de le déclarer. Si tu ne comprends pas ces choses, tu n'es pas destiné à la préparation de l'épouse. Non. Il a envoyé un ministère prophétique. Il y a un ministère créé relié à ça, plus que tout le ministère sur la terre, c'est le ministère de Frère Franck. C'est un ministère d'achèvement. On n'a pas honte de citer la personne ou de nommer la personne. On n'a pas honte. Ça fait partie du plan de Dieu. Regardez, même les Éphésiens 4:11, pour le temps de l'achèvement, c'est autre chose.